There's one time where I thought I was, being Billy Badass, and I three guys in a week. Had a mean yeast infection. So let me get this straight. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche, tu connais déjà. Ici c'est Jonathan Chili, l'idée de la chaîne pour te permettre d'être déter, passer à l'action, créer ta vie sur mesure. Et pour ça, il y a deux choses que je te propose. Mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20 000 euros en une semaine. C'est gratuit, c'est offert avant de créer un hack. Regarde quand même, fais preuve d'un peu plus d'esprit critique. Et deuxième chose, c'est ma formation Pirate Marketing où je te montre toutes les stratégies pour atteindre au minimum les 5 000 euros par mois. Et dedans, j'ai rajouté des bonus complémentaires en plus. Donc c'est en plus de Pirate Marketing. Des bonus complémentaires sur investir dans l'immobilier, investir dans les crypto-monnaies, aussi un module sur complémentaire sur les commerces, après sur le personal branding, enfin, tu as tout ce qu'il faut. Et en plus, tu peux y accéder aussi via le CPF. Si tu passes par le CPF, tu auras accès à l'incubateur qui donne accès, ça fait beaucoup d'accès, hein, et qui donne aussi accès à un bootcamp où dedans, tu auras des coachings sur le business, sur gars, tu as tout ce qu'il faut, gars. Franchement, si tu veux en savoir plus, tu cliques sur le lien qui est dans la description. Tu peux aussi avoir un appel gratuit offert avec un membre de mon équipe. Tu pourras poser toutes tes questions. Okay, ils sont formés sur le business, donc ils vont t'aider par rapport à ça et t'aiguiller. Mais sache que dans tous les cas, quand tu passeras à l'action, ça prend 2 à 5 ans pour pouvoir devenir libre. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de devenir riche du jour au lendemain, ça n'existe pas. En tout cas sur ma chaîne. Essaye ailleurs, on verra bien. Tu m'en donneras des nouvelles. Mais pas d'excuses, j'ai grandi à Ivry dans 91, j'ai redoublé mon BEP trop technique, on a grandi dans le quartier des pyramides. Arrête de chialer, si tu fais rien, il va rien se passer, passons directement au sujet de la vidéo. Donc Britney Renner, je suis de retour avec Britney Renner, j'apprécie toujours, toujours intéressant de l'écouter. Tu te dis, mais qu'est-ce qui va être nouveau, qu'est-ce qu'elle va nous sortir de nouveau, tu vois? Alors, ah ouais, d'accord. Donc là, nouveau truc, donc apparemment, elle est née de nouveau. Oh. Voilà, donc là, elle est née de nouveau. Dans sa tête, elle se dit, je suis redevenue vierge. Bon, je te laisse regarder et puis on en rediscute. These girls are lying. They are lying. They are not getting dressed up, going to the club, full face of makeup, hair extensions, eyelashes for themselves. Okay? Remove the Matrix microchip and answer the question from your honest gut, ladies. Come on. Come on, you're doing it for attention. You're doing it for attention from men. You're doing it because you naturally compete with other women. That's why you're doing it. Play little girl games, you're gonna get little girl prizes. Young women think they have time for all this. They have time for all these games. It's fun and games when you in your 20s, when that wall hits and you fall over like Humpty Dumpty, you're gonna be thinking, why did I play these games? Why didn't I prioritize marriage and family planning? But I'm out here living for the streets, thinking it's cute. I have been on a push strike since October. Get that French toast out of here. Okay, I love that. Yeah, and I'll go the rest of 2023 if nobody wants to act, right? After like 3 months, it gets easier. What? Yeah, I mean, I'm on month 4, so yeah. I mean, like I said, I could go the rest of the year like this. No problem. Because the thought of a man who doesn't value me over top of me. Whoa. There's one time where I thought I was, being Billy Badass, and I three guys in a week. Had a mean yeast infection. So let me get this straight. So yeah, I've given men my body that didn't deserve it, and it was what it was. But the thought of that now literally makes me want to puke. Donc voilà les conséquences quand tu fais des mauvais choix, tu sais même plus comment réfléchir, tu te fais happer par tout le courant féministe, toute cette croyance féministe. De toute façon, je pense que de plus en plus de femmes se rendent compte que c'était un mensonge, hein. Mais malheureusement, c'est souvent lorsque c'est trop tard. C'est une fois qu'on a souffert, généralement qu'on comprend. Ah non, en fait, c'était pas vrai. Ah, peut-être les hommes nous mentaient pas alors. Peut-être qu'ils nous mentaient pas. Bah oui, on est quand même les premiers concernés, donc on sait par quoi on est attiré. Mais apparemment, tout le monde surbalance de notre avis en fait. Alors qu'on est quand même les concernés. Enfin, je sais pas. Hein. C'est comme si tu veux vendre quelque chose à des clients, mais le client il dit ouais, mais nous on préfère ça. Non. Toi, ce sera ça. C'est ça comme ça que tu dois aimer. Les clients, qu'est-ce qu'il va faire? Il n'achète pas. Voilà. Donc là, on arrive à un truc où maintenant, on est dans un truc où on est complètement inversé. Voilà. Les valeurs sont complètement inversées. Donc là, maintenant, elle fait attention. Okay, une fois qu'elle a déjà plus de 30 ans, qu'elle a déjà un enfant, qu'elle a montré son fessier à toute la planète, qu'elle a dit à tout le monde qu'elle a couché avec je sais pas combien de gars, il y a un petit extrait où elle dit ouais, j'ai couché avec 3 gars en une semaine. Oh là là, trop bien. Je sais plus ce qu'elle dit. Maintenant, elle fait attention.
Et elle veut mettre de la valeur sur ce qu'elle a entre les deux jambes. Et maintenant, voilà, elle a décidé, je crois que ça fait 6 mois qu'elle a rien fait avec personne. Voilà, tant que je rencontre pas un gars qui met de la valeur sur ce que j'ai entre les deux jambes, etc. Ou par rapport à elle, je sais plus exactement ce qu'elle dit. Je ne coucherai plus jamais avec personne. Plus jamais. Plus jamais. Ouais, mais le problème, c'est que tu fais ça. En fait, tu veux que la personne qui commence à te courtiser mettre de la valeur sur entre les deux jambes, alors que tu n'as pas mis de valeur sur ce que tu as entre les deux jambes depuis toutes ces années. Le fait que tu arrêtes aujourd'hui de coucher avec des gars ne va pas magiquement remettre de la valeur sur ce que tu as entre les deux jambes. Malheureusement, non, c'est comme ça. C'est pas mal ni bien, c'est juste la vie en fait. Enfin, t'as couché avec toute ta planète, tu l'as dit avec tout le monde. Personne n'a envie de passer derrière comme ça pour dire ah bah tiens, ce sera ma femme. Tu vois, malheureusement. En tout cas, il va falloir que tu baisses tes standards, ce qu'elle apparemment n'est pas encore prête à faire. Mais à un moment donné, il va bien falloir qu'elle le fasse. Hein. Amber Rose, elle l'a fait. Elle va être confrontée à la réalité et elle va devoir le faire. Elle va baisser ses standards. Mais les gars qui ont vraiment des options, si jamais t'as le choix entre une meuf qui est comme Britney Winner, mais qui n'a pas d'enfant et qui est plus jeune et qui s'est préservée un minimum, et Britney Winner, bah, qui tu vas prendre? Bah, tu vas prendre... c'est du bon sens. Ça s'appelle la compétition, en fait. Tu vois, souvent, elle fonctionne comme s'il n'y avait pas de compétition, en fait. Je pense qu'il n'y a que elle. Il n'y a qu'elle. Voilà. Et que ça va se manifester, le gars, parce que maintenant... parce qu'il y en a qui disent, ouais, j'ai rencontré Dieu maintenant, donc maintenant, Dieu va me donner l'homme. Mais l'homme qui a le choix, il... À moins que tu baisses tes standards. Voilà. Mais voilà, donc aujourd'hui, valeur inversée. Maintenant, c'est quand elle fait toute sa vingtaine, pendant qu'elle était à son pic, et lorsqu'elle aura pu faire le meilleur deal qu'elle voulait, elle a brûlé toute sa vingtaine à faire la folle, à s'amuser. Alors j'imagine que ça devait être fun. Hein. Après, je peux comprendre, et j'essaie de me mettre à sa place. J'imagine que ouais, la tentation doit être dure. Quand tu es soumis à des invitations dans tous les sens, pour aller à Dubaï, qu'il y a des gars de la NFL qui t'envoient des messages, des DM, que les gars de la NBA t'envoient des messages, ils te font venir, etc. Et voilà, évidemment, c'est tentant. Mais cette même force de caractère que tu as aujourd'hui pour pouvoir te préserver, ben, tu aurais dû le faire quand tu avais ta vingtaine. Tu aurais gardé toute ta valeur et tu aurais pu faire le meilleur deal que tu veux parce que tu es quand même une fille mignonne. Et voilà, et tout le twerk que tu fais, bah, tu l'aurais fait en intimité pour ton gars. Et tout le monde aurait été content. Et comme j'avais dit dans une autre vidéo, c'est pas maintenant que toi t'as 30 ans, t'as plus de 30 ans, que tout le monde t'a déjà connu, le gars bien, ça veut dire que maintenant le gars qui est bien, ok, il va venir, genre tu vas le faire galérer quoi. Alors que les autres, t'as fait des one night stands, ça veut dire coucher dès le premier soir avec plein de gars, tout le monde t'a pris dans tous les sens, etc. Avec tout le respect que je te dois, hein. Mais là, par contre, l'autre, le gars qui est bien, lui, nada, niet. Tu vois, donc c'est toujours les mêmes qui perdent à la fin. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Mets un petit j'aime si t'as aimé cette vidéo, un j'aime pas si t'as pas aimé la vidéo. Pour ceux qui veulent aller plus loin que moi, t'as le secours de la nature féminine, Zeus, hein, en description. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous.